tous, Vision 24, j'espère que vous allez très très bien. Vous êtes à votre émission Stars Time, l'émission qui vous permet d'avoir les informations sur nos stars, de la musique, de la culture et du cinéma. Alors aujourd'hui, celle qu'on reçoit, celle qui nous fait l'amitié de nous inviter dans un charmant cadre, un cadre pittoresque, mesdames et messieurs, qui n'est que le Harlem B. Nous sommes avec une jeune dame passionnée de culture, des médias. Elle est présentatrice télé-radio, elle est maîtresse de cérémonie, elle fait des voix off, elle est entrepreneur, mais surtout, elle crève les écrans depuis quelques années. Elle est belle, elle est ravissante. Mesdames et messieurs, je vous permets de recevoir notre invitée juste après ceci. Bienvenue à tous, nous sommes avec notre invitée, Anna Djamila. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Bah, ça va, on se plaint pas. Ah, vous la reconnaissez certainement, mesdames et messieurs. Je l'ai dit, c'est un visage qui est très connu, qui nous fait plaisir, nous fait vibrer sur les différentes télés et surtout au cinéma. Alors, qui est Anna Djamila ? Tu te présentes à l'ensemble de tous ceux qui nous suivent, un peu partout. D'accord. Eh bien, il y a tellement de choses à dire que je préfère dire simplement que je suis une amoureuse de la communication. Donc, j'aime partager les émotions donc à travers la photographie, l'actorat, je dirais le cinéma tout court, et également la communication. Donc, je fais de mon mieux. Voilà. Tu es originaire de Côte d'Ivoire. De quelle région de la Côte d'Ivoire ? Odiéné est représenté. Ah, Odiéné, les Odiénéka te suivent. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà de la grande famille ? Vous êtes combien dans votre famille et tout ça ? C'est vrai que généralement, on doit savoir que tu viens d'une grande famille. Ouais. Alors ? Oui, on est d'où là, donc c'est normal. Bref, alors, je suis d'une famille de 6 enfants, et, dont 4 garçons et 2 filles, ma sœur et moi. Ok, alors vous êtes diplômée. Tu es diplômée. Parle-nous un peu de tes diplômes. On sait que, moi j'ai lu déjà... le book, mais il faudrait que nos followers sachent de quoi tu es capable, parce que vraiment, j'ai lu beaucoup de choses. On va prendre la partie carrière, mais pour l'instant, dis-nous quelque chose sur toi, en ce qui concerne tes études déjà. Déjà, pour ce qui est du parcours scolaire, j'ai eu le bac une année avant, donc en classe de première, en Côte d'Ivoire, on dit comme ça. Et juste après ça, j'enchaînais avec un BTS en ressources humaines et communication, après une licence et un master en ressources humaines et communication également. Et vu que je suis toujours tentée par les défis et tout, j'ai fait une reconversion en journalisme. Donc, j'ai également une licence en journalisme. Et le volet actoral, comment ça s'est passé ? Alors, faut dire que depuis le collège, la classe de 6e, j'ai toujours été attirée par ce genre d'activité extrascolaire. Je me suis rapidement retrouvée dans des troupes théâtrales et tout. Et bon, il y a maman qui était un peu stricte sur le coup, elle voulait pas de distraction. Elle m'a dit, si tu veux vraiment faire du cinéma, faut vraiment réussir à l'école. Donc, c'est quelque chose que j'ai mis de côté et puis qui m'a finalement rattrapée. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes avec Anna Djamila. Elle porte beaucoup de surnoms aujourd'hui à Abidjan. On l'a vu dans plusieurs films. On va revenir sur sa carrière tout à l'heure. Nous sommes avec elle dans cette émission Stars Time, émission dédiée et destinée à toutes nos stars. On se retrouve tout à l'heure pour la rubrique Carrière. D'accord, je t'explique. C'est un coin super sympa, ils servent de la bonne ici. En plus, les gars sont super cool, tu vois ce que je veux dire? Attends, tu viens de dire qu'ils servent quoi là-bas? Bébé, tu m'avais pourtant promis que c'était fini tout ça. Et j'ai constamment besoin de ma dose, tu sais. Ça sera sans moi. De quoi avions-nous parlé la dernière fois? Je ne m'en souviens pas, monsieur. Silence! Je l'aurais parié. Mmh.
De retour dans cette émission, nous sommes avec notre invitée du jour, Anna Djamila, qui nous parle maintenant de sa carrière. Alors, nous savons que tu es une personne qui bouge, qui touche à tout, pratiquement un couteau suisse, femme aux multiples casquettes et aux multiples talents. On va aller déjà avec la communication, les présentations, les maîtres, la maîtrise de cérémonie. Comment ça commence tout ça, le déclic? Alors, parlons de déclic. Qu'est-ce que je peux bien dire? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis attirée par les défis et j'ai fait une formation en journalisme après le master en ressources humaines et ensuite une licence. Donc naturellement, je me sens attirée par ce genre de métier-là. Donc en termes d'expérience professionnelle, j'ai commencé avec la radio et puis la présentation du MMA. Enfin, je n'ai pas envie de faire forcément de publicité. Non, ce n'est pas de la publicité pour nous, c'est juste une information. Voilà, j'ai animé le tout premier combat de MMA en Côte d'Ivoire, ce qui fait que je suis la première femme à avoir animé un combat de MMA. Et puis, c'était un gros challenge parce que le MMA, ça ne fait pas partie de nos cultures forcément. Et donc, il fallait s'adapter, il fallait faire des recherches. Et c'était une belle expérience quand même. Et ensuite, il y a quoi d'autre? La maîtrise de cérémonie, par exemple. La maîtrise de cérémonie, tout ce qui est conférence de presse, festival, et j'en passe. Et bon, puis, pour atterrir finalement dans le cinéma. C'est cela. Le cinéma, c'est de là que beaucoup de personnes ont commencé à te remarquer. Le cinéma, oui, surtout. Alors, comment ça se passe? Le premier rôle, le premier casting déjà, peux-tu nous parler un peu? Le premier casting, je ne m'en souviens pas forcément. Par contre, pour la série Kenza sur NCI, j'étais chez moi et j'ai une amie qui m'a appelée. Elle m'a dit, au casting, mais elle n'a pas été retenue parce qu'on recherchait un profil qui, d'après elle, me correspondait. Donc, elle me dit, vas-y, lève-toi et tout. Et moi, j'avais un peu la flemme. Donc, je lui dis comme ça que je vais partir après. Elle me dit, non, aujourd'hui, c'est le dernier jour du casting. C'est le deuxième jour, il faut vraiment que tu y ailles et tout. Donc, je dis, OK. C'est comme ça que je me bouge avec sa pression. Je vais sur place. Et je crois qu'ils étaient déjà à la 48e personne. C'était que des filles, cherchaient l'actrice principale. Donc, j'étais à la 48e en question. Et dès que j'allais m'asseoir, on me dit, au suivant. Donc, je suis entrée. Et puis... on m'a dit, bon, OK, voilà une mise en scène. Imagine que ton chéri, il fout le bordel, il fume la drogue, etc. Et tout. Comment tu le motives pour qu'il arrête ce genre de choses-là? Et je me suis mise en scène et puis ça a marqué. La réalisatrice, elle a trouvé que... Est-ce que tu connais quelqu'un ici? C'est trop bizarre que tu dises exactement les répliques. Voilà, les répliques qui correspondent alors que tu n'as même pas lu le scénario. On dira que c'est Dieu, tout simplement. Il inspire qui il veut, quand il veut et comme il veut. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Et puis, c'est parti pour 4 mois de tournage. Wow. Et c'était une belle expérience également. Collaborer avec d'autres personnes. Là, c'était la première. Là, c'était la première, première fois que tu tournais. Oui. En vrai. Oui, enfin, on peut dire ça comme ça. Le fait que tu aies eu la chance de faire un diplôme en actorat, ça t'a forcément aidé. Non, en actorat, j'ai pas eu de diplôme en tant que tel. C'est plus, on a assisté à des formations et tout, mais bon, c'est des certifications. Justement, c'est de ça que je voulais parler. Des certifications qui t'ont permis de te sentir à l'aise dans ce casting. Oui, mais il y a aussi l'expérience devant la caméra. Quand tu es journaliste, tu n'as pas peur de la caméra, tu n'as pas peur de parler devant les gens et tout. Donc, naturellement, c'est venu. Ok. Et après Kenza, qu'est-ce que tu nous as servi? Après, on a vu sur une autre chaîne, il y a un autre film dans lequel tu apparais également. Oui. Live TV, Fouteuse de troubles, la série du moment. Et là-bas, quand même, j'interprétais un rôle assez loufoque. Audrey, c'est un personnage atypique avec sa sucette à la bouche. C'est l'amie de personne, elle est gamée. C'était un véritable challenge également. Il y a des gens sous mes commentaires qui m'ont dit... mais pourquoi ça va pas avec ta personnalité? Pourquoi tu interprètes le rôle d'une gérante de busy? Mais justement, là, ça me donne l'opportunité de répondre à cette question. On ne vient pas au cinéma pour être jolie. On ne vient pas au cinéma pour jouer qui nous sommes en réalité. Djamila, elle est ce qu'elle est dans la vie de tous les jours
Par contre, quand tu interprètes un personnage, il faut que tu sois à mesure de te sortir. Et ça, ce sont les artistes qui peuvent comprendre ça. Effectivement. Mais il faut vraiment se fondre avec le personnage et faire un. Donc, pour moi, c'était un véritable challenge de jouer un rôle qui a des valeurs différentes des valeurs que j'incarne dans la vie de tous les jours. Et je remercie Dieu pour ça également. Oui, parlons de valeurs, tu es chrétienne ou musulmane? Alors, je dirais que le plus important, c'est de cultiver l'amour du prochain. Mais je suis musulmane et je suis fière de l'être. Super. Alors, nous sommes avec notre invité du jour qui nous parle allègrement de sa carrière. Partir de, des micros en ce qui concerne les animations, se retrouver sur les planches, c'est vraiment un coup et nous sommes très, très, très heureux de t'avoir aujourd'hui. Tu fais la fierté de cette génération montante de stars, à l'instar des Kadi Kingesan et autres, à qui on fait un gros coucou, certainement qui passeront cette émission également. Alors, qu'est-ce qui a marqué? Qu'est-ce qui te marque en ce moment, à part ces deux films? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, en général, on n'aime pas trop communiquer sur les projets en cours. Okay. Mais tout ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est une nouvelle aventure qui commence. C'est ça. Je suis très reconnaissante de l'écrire avec vous. Enfin, je parle de l'histoire, de la nouvelle histoire, de l'écrire avec vous, rester connecté à mes différents réseaux sociaux. Et puis, vous allez découvrir l'exclusivité. On y reviendra en ce qui concerne les réseaux sociaux, dont la partie qui va suivre tout à l'heure, c'est l'actualité. Ma chérie, c'est fait du la seconde. Tu connais le prix de un an. Comment j'ai oublié? Faut s'y lancer. Ah là, c'est chaud. Et ici, l'environnement vous cause. De retour pour la dernière partie de cette émission. Oui, nous sommes pratiquement au terme. C'est la rubrique actualité. Anna, ça va? Ça va. Alors, parlons un peu de ton actualité. On sait que tu bouges beaucoup, tu es beaucoup sollicité pour des rendez-vous, des shootings. Et on t'a vu également dans un clip, tout ça. Tu fais aussi des... Ah, tout c'est ça. L'actorat. C'est l'actorat, non? Dans un super clip de, avec notre ami... Rémi Adam. Rémi Adam, voilà. Un clip à voir surtout chez nous également. Alors, parlons un peu de ton actualité. Alors, il y a beaucoup de choses qui se préparent dans les coulisses. On ne peut pas forcément dévoiler, mais ce serait intéressant de continuer à me suivre et puis de découvrir progressivement mon actualité, tout simplement. Et il y a également les awards. Effectivement. Parce que suite à ces deux séries diffusées sur deux chaînes suivies, même dans la sous-région et à l'international, je vais parler de NCI et Life TV. Merci pour la publicité. Nous sommes sur Vision 24 TV, c'est bon? Oui, c'est okay, bon. Ok, donc on peut poursuivre, allons-y. Alors, ces deux séries-là m'ont valu deux nominations. Donc, Ivoire Talent d'Or et African Talent Award. Donc, j'espère pouvoir compter sur votre soutien et puis remporter ces deux trophées. Alors, ça se passe comment? Les votes ont déjà démarré ou pas? Pas encore, pas encore. Okay. Les votes ne sont pas encore ouverts, mais c'est le moment de suivre mes différents réseaux sociaux. Ensuite, vous pourrez avoir toutes les informations. Voilà, c'est l'instant également de vous dire, de vous inviter à vous abonner à notre page Facebook et tout ce qui est YouTube, même notre site internet, il faudrait visiter. Vision 24 TV, la chaîne qui vous permettra de voir toutes ces stars-là. Anna Djamila, elle n'est pas facile à attraper, mais nous, par la grâce de Dieu, on l'a eu aujourd'hui dans cette émission Stars Time, l'émission dédiée à toutes nos stars de la musique, de la culture et du cinéma. Alors, un dernier mot à l'endroit de ceux qui nous suivent. Alors, je tenais à dire merci à toutes ces personnes-là qui me soutiennent, qui m'envoient des messages en DM, sous les commentaires. C'est beaucoup d'amour et je suis très reconnaissante pour cela. Merci également à mon grand frère Jean-Luc Vence, grâce à qui j'ai la possibilité de vous parler à travers cette belle émission. Et puis également, les responsables de ce beau cadre et accueillant, qui n'est d'autre que le Harlem B restaurant situé à Angré, pas loin de CGK. Je vous invite à le visiter, franchement, c'est
rien à dire. Alors, pour tes réseaux sociaux, alors on va, j'ai vu qu'il y a plusieurs écritures. Pour tes réseaux sociaux, les écritures, tu donnes les, comment on écrit pour te suivre? Alors, déjà sur Facebook, comment Facebook, ça se passe? Facebook, Instagram. C'est... Comment on écrit? J'ai vu qu'il y a différentes orthographes. D'accord. Facebook, Instagram, c'est Anna Jamila, A-2-N-A, Jamila, sans D, genre J-A-M-I-L-A. Et puis pour TikTok, c'est Jamila, mais c'est J-A-H.Mila. Pour nous également, mesdames et messieurs, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Et allez-y visiter notre site internet pour avoir plus d'informations sur toutes nos stars. Mesdames et messieurs, pour ce numéro de Stars Time, c'est terminé. Je voudrais dire également merci aux responsables de ce cadre pittoresque qui n'est que le Harlem B, en plein engrais, non loin de l'immeuble CGK. Merci encore aux réalisateurs, à notre assistante du jour, Lucretia. Merci à tous, merci de rester toujours fidèle à la chaîne qui est à la portée de mes Vision 24. Merci beaucoup, c'était Jean-Luc Benscofi. À bientôt.